il n'y a pas de pas trop de warm-up, les 10 acteurs sont là, donc c'est parti. Je vais juste mettre un petit truc. Si tu peux commencer à commenter Ouais, Alcalo. effectivement, donc c'est parti hein. Dans cette GA pour le 4-1 entre la France et la Belgique. Est-ce que tu as lancé la record? C'est bon, c'est Oui, ça que tu chose disais? faite, chose faite. Ok, d'accord, allez, c'est parti. Première touch posée pour l'instant par les deux équipes. Le premier kill est pris par l'équipe de France qui enchaîne avec Apex, double kill maintenant. Deux touches d'avance pour la France. Jamis qui enchaîne. La Belgique est totalement dépassée. Terminée. La France choisira son side. Alors on sait que les Titans aiment le side CT. Ouais, mais là, le Et problème, c'est donc. que le lead-in game, eh ben, Et il est donc. de l'autre côté. Ouais. Mais je pense que justement, Apex le sait et c'est pas impossible que la France commence CT. Ouais, c'est Voilà, vrai, c'est fait. c'est Pour ready. embêter son lead in game, exactement, Spock. Apex connaît par cœur Existence. Exit qui déteste commencer en terreau. Et le Ready qui est lancé par l'équipe de France qui va commencer sur le site CT. Effectivement, bah écoute, un beau match qui nous attend. C'est du BO1, donc tout va se jouer sur Dust 2. Malheureusement, on n'aura pas de BO3. C'est le Pas encore. principe des ESEC, hein, tout à fait. Et comme tu l'as dit, donc le gun round avec 3 Kevlar pour l'instant pour les Français, du stuff pour Uzi et Kenny S. Chez les Belges, c'est du full Kevlar, donc ça va peut-être rusher et ça a l'air de rentrer maintenant au niveau de ce tunnel. Oh, la grosse agression au niveau de ce BPB directement! Et ça Ouais. va être à Apex qui fait le premier kill sur Existence. Apex qui déroule, hein. Premier kill, double kill d'Apex. Ah, Kenies qui a pris son kill également. La stratégie belge. Oh, Kenies qui enchaîne avec un double kill maintenant. Que DHS et Kali qui termine. Only HS USP sur l'équipe de France qui met un ace. Sincèrement, c'était pas la meilleure idée qu'existait une CU de faire un rush B comme ça à l'ancienne. Ils se sont fait insta flash pour les Français. 1-0 pour la France. Ouais, effectivement, moi c'est ils ont tenté, malheureusement ça n'a pas fonctionné et Apex a fait le travail, il y a eu de belles smokes et de belles flashs comme tu l'as dit. Round 2 force buy. Un petit peu bizarre, Existence et Scream ont acheté P250 Kevlar casque, Metal aussi avec le Tech9. Oh, Par c'est contre un toi nous massacre. échade. P90 de Kali, Spock Oh, qui le fait triple le kill. kill. Et Uzi qui termine. C'était quasiment un ace, mais Kenny s'est tombé. Belle agression de l'équipe de France hein, qui a mis Flash Middle pour occuper l'attention des Belges. Pendant que Kali faisait un rush dégueulasse au P90 en GA. Vraiment, c'est ce qu'il y a de plus sale au monde, je pense, c'est ce rush-là. Ça a été posé. Les Belges maintenant en économie sèche pour le prochain round. Ah ouais, bah écoute, on va voir, hein, ça peut-être un chat qui va prendre le sniper juste après. Quoi qu'il se passe, t'as raison, hein, c'était quasiment un ace, il y avait que Kenies qui est tombé. Bon là il est au CZ. Niveau économique, Kenies pourra peut-être acheter la WAP juste après. Et on va voir s'il meurt avec son CZ ou pas. Deux joueurs au niveau Ouais. de cette longue chez les Français. Et la corniche qui est jouée de très loin au niveau de cette salade. Ouais, effectivement, Et ça va prendre le middle. elle est prise par Genix, hein, la corniche depuis le BPA. Ça va jouer sur Kenny au CZ qui a instant poke, Toinou qui a 9 HP et c'est finalement Scream qui fera tomber Kenny. Bon, voilà, Kenny c'était le seul joueur français sans arme, donc pour l'instant ça n'a pas trop d'influence sur le round. Si ce n'est que le middle a été ouvert et qu'Apex est tout seul pour l'instant le B et la pente B, mais les Belges n'en ont pas profité. Mais écoute, effectivement, c'est dommage. Il y a encore un joueur, c'est GMX au niveau de ce middle. Peut-être qu'ils peuvent prendre le deuxième kill, les Belges, et partir au niveau de ce BPB. Et redirection au niveau de cette longue. Il reste 40 secondes. Encore le temps de faire une 3-2-A. Et c'est la chose qui va se passer pour l'instant. Ça va être Chad qui va essayer de faire l'ouverture. Allez, il a vu Uzi qui met une belle flash. Oh, elle est tout blanc, Chad. Ouais, pour l'instant, les Belges n'ont pas trouvé la solution. Kali qui prend le kill sur Toinou. Le double kill de Ah, Kali Kali est qui infâme avec ce finissait. P90. Ouais, en même temps, un P90 face à des joueurs sans Kevlar, c'est ce qu'il y a de plus facile. Oh, mais Scream terminé par GNX sur un beau poke à LM4. 3-0 pour la France, ça va acheter, j'ai envie de te dire, enfin côté belge. Kenies a son Hey. AWP, mais effectivement, aucun stuff sur Kenies. Voilà, bon après c'est Kenies, hein. Tu le mets un AWP, ça suffit. Alors que Kali est passé sur l'auto-noob. Ouais, Et il joue vraiment avec directement. des armes horribles. Bah, P90 autonome, effectivement. Bon, bah écoute, c'est un peu le but. C'est dommage, je vois pas de sniper chez les Belges. Je pense qu'ils avaient quand même l'argent pour. Ouais, même Non, pas, non, 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 effectivement. Il non, n'y avait non, pas il y l'argent avait pour. pas d'argent côté belge, hein, Spock, hein, parce que le force buy il est pas passé. Ils ont pris ace quasiment sur les deux premiers rounds, hein, donc pas de kill de fait, pas d'arme de tomber, pas de bombe de planter. Donc économiquement, c'était très compliqué pour la Belgique qui joue maintenant la pente B. Ils vont jouer sur Kenny S pour l'instant. Bon, il reste 1 minute 10, ils ont pas encore choisi, ils contrôlent simplement le middle.
T'as peur de partir en corne, t'as peur de partir en pente B, je pense qu'il tâte le terrain, il cherche l'open kill et pour l'instant la France qui joue très reculée, eh bien ne s'offre pas. Ouais, effectivement, il y a GMX qui repart au niveau de ce spawn CT. Donc la corniche qui a été complètement ouverte. Quoique, Kali avec l'auto-noob est vraiment au niveau de, ouais, de la GA, quasiment du. Ouais, au côté voiture. Ouais, quasiment au niveau de la salade pour reprendre cette corniche si quelqu'un passe. Attention, GMX est tout blanc. La Ouais. belle grenade qui a mis Existence, très low HP. Kali qui fait le travail. La Ah, revenge de Scream. Ouh, toi nous. 2 contre 2 maintenant. et Metal hein, qui a été surprendre Uzi dans cette longue, c'est du 2v2 effectivement. Il reste tout de même Apex et Kenies. La bombe est plantée, les smokes sont posés. Voilà, Kenies c'était totalement deny sur ce round par les smokes. Très bon stuff des Belges. C'est vraiment Apex de récupérer le kill sur ce BPA. Oh la mollo. Voilà, Molo peut faire la différence. Ah Et bien la joué. top de Kenies qui passe, la bombe est mal plantée pour la longue. Le round devrait Oula. aller côté français Oh le fail sans de trop de métal. soucis. Métal qui s'est un petit peu loupé, là il est tout blanc et Kenies qui fait le travail. Ah métal qui s'est complètement loupé sur Kenies, c'est dommage. Le Ouais, 1v1 effectivement. aurait pu fonctionner. Après la bombe n'était pas tellement bien placée, mais finalement c'est les Français qui s'en sortent. 4-0. On va peut-être avoir droit au force buy des Belges, hein. Ils ont posé la bombe, ils sont tous à 4 000 $. Eh ben non, ils me font mentir. Ils sont en économie pour se mettre bien après. Ça va être compliqué, attention, on sait que D2 c'est quand même une map un peu plus terreau que c'était. Ouais, je suis étonné qu'ils aient pas acheté ce poke là. Ils auraient pu prendre la carte et partir directement. Je pense pas qu'ils aient forcément besoin d'un AWP face à l'équipe de France, surtout quand tu joues Kenies et Kali. Voilà, tu joues pas forcément à l'AWP. Mais bon, ils ont préféré économiser. C'est un choix tactique. On va voir ce que vous proposez derrière les Belges hein, qui sont sûrement lead par Existence. Apex qui travaille un peu dans ce B court et Scream qui s'avance tranquillement dans la pente B. Sans smoke de poser. Le tu joues Oh! pas de scrim sur GMX. Ah, ce qu'il vient de prendre GMX, c'est très très sale. Kenies tout blanc. C'est passé à sa gauche. Bon kill de Kenies. Ouais, et là Tonou qui se fait un petit peu surprendre par Apex qui était juste au double porte. 4 contre 2 maintenant. Metal qui attend que la smoke soit finie, mais malheureusement il y aura Kenies qui a repris sa position au niveau de ce C2. Mais quel tu joues pas de la part de Scream. Enfin, j'ai vu que ça arrivait en courant, tout content, et bim, tu joues pas. Ouais, ça le De la dit dans part le de chat, Scream. hein. Nice shot frère. Bon, les deux joueurs se connaissent parfaitement. De toute façon, Bah, ils les sont deux dans la même équipes, hein, équipe. se connaissent parfaitement. Ils sont exactement dans la même équipe, donc Ouais. c'est un peu comme Exi et Apex, hein. Ils partagent la même équipe également, donc ils connaissent le style de jeu de l'un de l'autre. Et c'est vrai que voilà, Scream il a mis un truc assez sale sur GMX. Les Belges qui achètent, Toinou qui prend son AWP, hein. Toinou qui est l'AWP des Platinum Server. Kenies face à Toinou, bon, évidemment avantage Kenies, mais cette ligne est quand même avantage Tero, donc Toinou peut s'en sortir. La France qui est un peu agressive en corniche. Attention, Scream qui peut faire peut-être le kill sur Kenies qui est. Ouais, ça y est, la revenge. Un petit peu tardif, dommage de Scream. Je pense qu'il aurait peut-être pu sauver son mate, Toinou. Apex qui a rushé ce tunnel B. Il a mis Shad très low HP et il le termine maintenant. Ah, c'est Shad ne l'a dommage. même pas touché, c'est dommage aussi ça. Chat n'aurait pas dû revenir décalé. Une fois que tu te retrouves à 19 HP face à Apex, tu sais que tu l'as pas touché, tu ne reviens surtout pas. Parce que c'est le meilleur moyen de mourir. Il serait reparti 19 HP, bon bredouille, mais au moins il serait encore en vie. Là, malheureusement, c'est du 4 contre 3. Encore une fois, la Belgique affaiblie avant le rush. Ils ont même pas pris de position encore, ils sont déjà en infériorité numérique. Et Scream en grande forme, hein. Côté belge, il vient de faire encore un double kill. Apex qui tombe 3 contre 3. Ouais, il y a deux snipers, Existence et Metal. Il y a encore un joueur, c'est GMX et la belle mollo pour deny complètement. Et voilà, Scream qui tombe. Ça se rend là pareil. Existence qui fait le travail sur GMX, situation de 2 contre 2. Et Metal qui a réussi à faire le kill sur Kali. Ouais, bon kill de métal. Le duel maintenant, ça va être Uzi face à métal. Il reste 25 secondes de jeu. Existence a la bombe sur le dos. Il faut qu'il aille poser la bombe. Là, je pense Que qu'il a le temps fait-il? de contourner par la pente B ou de repartir en corniche. Effectivement, il va repartir en corniche avec la bonne smoke qui est posée. 10 secondes de jeu. Et Ouh. voilà, Uzi est totalement tombé dans le panneau. Donc Existence va arriver directement planté pour la corniche. Même Enfin, pas. même pas. Planté en plein milieu du BP. À une seconde de près, Uzi s'est fait avoir 1 contre 2 pour Uzi. Assez dur à négocier tout de même parce qu'il y en a Oh AWP la sur Uzi. flash team de métal. Existence avait la ligne, il s'est fait complètement flash par son mate. 1 contre 2, attention, Uzi peut le faire. Hein. Ouais, Ah, Metal est très bien ouais, bien joué. placé. Il récupère le kill. Premier round des Belges. 5-1. Avec une avantage numérique pourtant pour la France. On était en 4 contre 3. Scream et Exi ont fait le travail.
Bravo à eux, les Belges qui marquent leur premier point. Ouais. Et côté français, Kali à l'autonome a fait 0 kill et donc il va repartir sur un AWP double scope. Ouais, double sniper quand même, donc c'est vrai que ça peut faire la différence. On va voir où Kali va se positionner. Et oh, c'est Kali qui fait le travail sur Toinou. Mais quel décal de Kali, impressionnant. Toinou qui a pourtant la ligne Tero, donc avantage à lui. Attention, Existence qui a pris la WAP à son tour, peut-être d'essayer d'aller décaler. Et le problème, c'est qu'ils ont perdu la bombe, je crois. Hein. Ouais, effectivement. Effectivement, la bombe qui s'est fait agresser au niveau de cette longue aussi. Et bah, écoute, c'est du 3 contre 5. Supériorité numérique pour la France. Kenies qui a la ligne au niveau de la corne. Existence qui est toujours dans le vagin. Il est resté au fond du vagin. Ouais, mais il sait peut-être que Kenies va essayer de décaler. Ah, Existence oh l'a là loupé, là. Malheureusement. Ah, Kenny s'en sort très 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 bien. On a entendu la balle qui a résonné juste derrière lui. Ouais. 5v3, la France qui a pris les deux premiers kills, qui a eu la bombe en visu et qui a choisi de ne pas la défendre, de reculer et de profiter de l'avantage numérique. C'est un bon choix tactique. Et Kenies se repositionne encore plus loin. Voilà, ils jouent très 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 reculés les Français. Ils agressent en début de round, récupèrent un ou deux kills et ensuite reculent. Ouais, effectivement, et ça fonctionne, hein. On le voit sur le scoreboard, 5-1. Juste après, on fera peut-être un petit point au niveau des kills faits par les joueurs. La flash de Existence, ça va rusher maintenant la corniche. C'est Apex qui était bien positionné juste en dessous d'eux. Apex double kill, et il y a encore un joueur, c'est Existence, et c'est GMX qui s'en occupe. Et quel ace encore une fois de l'équipe de France, quoi, hein. C'est impressionnant quand même. Ben ouais, écoute, ils font un très bon travail pour l'instant. Ils arrivent à prendre les kills importants et surtout le premier kill. On voit que Toinou à la WAP, ben voilà, malheureusement, n'a pas réussi à faire le kill malgré sa bonne position. Hein, quand t'es sur... Oh, Kenies en plein vol on qui arrive. On regarde à... aussi qu'ils affrontent Spock, hein. Ils affrontent Kenies. Hein. Ouais. Et là, c'est Uzi qui récupère Metal, l'équipe de France qui risque de mener 7-1 là, en confirmant cette anti-économie. On fera un petit point scoreboard hein, juste après ce round, Spock, mais l'équipe de France va bien. Effectivement, Uzi qui n'a plus de balles, qui prend son USPS et qui se fait calmer maintenant par Scream. Il va pouvoir peut-être récupérer une M4 silencieuse, mais c'est le rush de partout au niveau du spawn terreau. Il est tout blanc et Apex fait quand même le kill sur Existence. Mais Apex, Spock qui fait du 12-1, s'il te plaît. Ouais, bah 12-1 pour Apex, 8-3 pour Kenies, 8-2 pour Kali. Et 5 kills pour GMX et Uzi. Chez les Belges, c'est Scream hein, qui mène la danse avec 6 kills. 3 kills pour Metal, 2 kills pour Toinou, 1 kill pour Existence et 0 kill pour Shad. On voit vraiment que les Belges, malheureusement, n'arrivent pas à se mettre bien économiquement. Et ça en paye les... Ils en payent des frais, malheureusement. Ça reste un résultat logique. Hein, la Belgique s'est fait démonter par les VP, mais non, les Polonais. Les Français ont démonté les Polonais, donc bon, si on suit la logique, la France devrait s'en sortir face à la Belgique. Et pour l'instant, effectivement, hardside 7-1, enfin un peu moins hardside que d'autres maps, mais ça reste quand même un hardside 7-1. Et quand on regarde un peu les stats, voilà, tu l'as dit, hein, Chat 0 kill, Exi 1-7. Donc on attend Exi à un meilleur niveau pour carrer son équipe nationale. Ouais, il avait carré son équipe, hein, c'est vrai, sur le dernier match des Belges. Bon, il était premier, malheureusement, bon, il n'y avait pas Scream, etc. Mais. Malheureusement, ça n'avait pas suffi. On va voir si ce soir Existence va pouvoir lead bah, son ancien coéquipier. Attaque commence Scream. Pas très très bien pour l'instant. Bah, 7-1 en terreau sous son lead. Scream, oh là là, ça tombe de tous les côtés. Mais heureusement que Scream récupère quand même Kali 2 contre 2. Scream Exi full HP. Exi qui récupère en plus Kenies. Là, c'est faisable. Ah ouais, c'était bien joué de la part d'Existence. Et il a annoncé à son maître que le BPB était complètement ouvert. C'est GMX qui est au niveau de cette corniche qui se doute maintenant que le dernier joueur est, va partir surtout au niveau de ce PPV. Existence qui a décidé de ne pas prendre la WAP de Kenies et il va surtout attendre GMX. 10 secondes il reste et ça va passer encore une fois mais de justesse. 6, 5, 4, ouah ça passe de justesse encore une fois. Les Belges qui jouent parfaitement avec les timers, hein. Une seconde à chaque fois. Ouais. GMX en 1v2 face à Scream et Existence, le round devrait aller côté belge normalement. À moins vraiment d'un exploit de GMX, ils sont très bien placés. C'est les deux meilleurs joueurs belges face à GMX. Et GMX qui va passer en lucarne. Oh attention, il arrive oh, à le faire. Le double kill de GMX, quel double headshot de la part du français qui met le clutch du match. Oh. Ah effectivement, pour l'instant très très bien joué de la part de GMX, tu vois comme quoi...
Ben, le crossfire n'était pas tellement bon parce que Scream s'est fait décaler assez facilement et Existence était assez mal positionné au niveau de ses caisses. Je pense qu'il aurait dû vraiment rentrer dans ce tunnel pour être safe. Mais le problème c'est que la bombe n'était pas très bien placée. Il avait pas trop le temps Scream de positionner bien la bombe. Et finalement, hein, 8-1. Les Belges ont planté la bombe mais ils sont quand même en économie. Et ouais, ça commence à être très dur pour l'équipe de Belgique maintenant. Ah, sincèrement, là je suis un peu déçu par l'issue de ce clutch. Je m'attendais à beaucoup mieux de la part des Belges qui se sont fait surprendre par GMX. Et les Belges maintenant en économie pour une balle de 9-1 pour la France. Ça se complique sérieusement pour la Belgique. Effectivement, Scream qui essaie de poker Kali, chose faite maintenant. Il va pouvoir récupérer la WAP, mais attention, il va peut-être pouvoir être revenge par GMX. GMX qui fait un kill. GMX, encore une deagle. Ah, il a plus de balles, Scream. Il n'y a plus de balles, Scream. Oh, le Endscope. Ouais, Endscope. Mais voilà, il y a Kenyes derrière qui revenge son mate. Kali, petite forme, hein. Quand même, je trouve, à la WAP, il n'a pas encore été étincelant. Il a pris pas mal d'easy kills au P90 et voilà, il a récupéré quand même 5-6 kills au P90. Et voilà, c'est comme ça qu'il est monté au scoreboard, mais je le trouve pas en grande forme. Alors que côté belge, Scream semble assez en réussite. En revanche, il y a quand même 9-1. Toinou a pris son AWAP et Kenyes n'a pas pris le duel middle et est parti directement en B. Mais tu vois la différence quand même, Screen, 10 kills, 3 kills pour Toinou juste derrière. C'est incroyable oui, la différence. 10-3-3-2-0, ça compliqué. Shad hein, qui fait du 0-11 POC, Shad. Ouais, malheureusement, il a pas lancé encore son compteur. Ouais, c'est dur après 10 rounds. Bah ouais, bon, en espérant que ça aille mieux. Qui commence à fraguer maintenant pour aider ses mates. Scream qui a réussi à faire le kill, il va être rematch. Non, double kill de la part de Scream, il a ouvert double complètement ce BPB. Il faut maintenant partir sur ce BPB très rapidement. Ouais, l'équipe de France qui va tourner, hein. La mollo est mise en place directement par Kali qui va récupérer ce middle et qui tombe. Un peu naïvement encore une fois, Kali là qui s'offre. Oh, c'est du 4 contre 2. Et là, les Belges doivent absolument mettre ce round. 3 contre 2, 3 contre 1 maintenant. Ouais, Kenyes en petite forme, hein. Kenyes qui a raté quand même double décal. Il reste Uzi qui va se faire smoker par Scream. Voilà, double porte de smoker. Ils vont juste surveiller la lucarne. Ouais, mais regarde, personne ne la prend la lucarne, Alka. Oh, c'est incroyable. Regarde ça, il reste Scream et Toinou à 9 et 4 HP. Il a tué le seul joueur qui avait des points de vie. Il a encore 2 flashs. Oh, Scream qui se loupe. Oh là là, je voyais Uzi faire le clutch encore une fois. Non mais là franchement je pense qu'ils auraient désinstallé le jeu. Je veux dire ils reprenaient un V3, je pense qu'ils arrêtaient tout. Mais là c'était incroyable. Uzi s'il avait été un peu plus précis sur sa première décale sur Scream, ça passait clairement vu les points de vue des Belges. C'est chaud, c'est très très chaud, mais il y a 9-2 pour la France. Effectivement, 9-2, AWAP encore une fois pour toi nous. Est-ce que toi nous va décider de faire une décale? Alors, où il est, Toinou d'ailleurs? Toinou au niveau de ce middle et il a failli se faire toucher par Kenyes. Oh, il n'arrive pas à le toucher alors qu'il avait vraiment l'avantage. Attention, Scream. Scream fait le travail. Ah, ça fait deux fois que Kenyes s'est fait surprendre au même endroit par Scream. Apex, il full. Ah, bon, il n'y a pas encore eu des. Voilà, à part quelques joueurs ce soir, les fulls sont sortis. Il n'y a pas de belle décale. Il y a juste Scream qui a l'air en grande forme tout de même, qui joue tout seul côté, ah ouais, côté belge. Effectivement, hein. 14. Non, attends. 15-10. Oh là, 16 kills pour Scream. Et Scream qui fait du 1v5. Bah ouais. Qui tamponne un peu dans la smoke. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable. Le deuxième joueur Alcalan des Belges, il y a 4 kills quoi. Effectivement. 4 fois plus de kills pour Scream. Ah, Uzi qui récupère un kill intéressant, 2 contre 3 maintenant, est-ce que GMX et Uzi peuvent le faire? Allez, Yashad, il faut qu'il monte son score maintenant, qu'il fasse le premier kill. Ah, allez, le stuff est très très bon côté belge, les Français vont deny le round et partir économiser. 16 kills pour Scream. Le deuxième est à 3. C'est incroyable. Ça marche pour un Scream, parce que Scream va devenir ouf là. Quel joueur. 9-3, le Scream a mis 3 rounds pour son équipe. C'est un peu France Scream quand même. Bah ouais, effectivement, fou. Bon après 0, 3, 4, 3, 16 quoi. Il fait vraiment de belles ouvertures. Bah 9-3, 9-3, ah ouais c'est incroyable. Ouais, il a fait triple kill sur le round d'avant, il y a eu 3 morts, donc ça c'est fait. La France peut force buy pour follow l'économie de ses mates. Kenyes a son avoir. Kenyes a manqué un peu d'impact dans les deux derniers rounds avec quelques fails. Toinou face à Kenya là-haut, est-ce que Toinou va retenter le duel? Oui.
Ça passe ça pas. passe pas, Il mais l'a il l'a touché. touché quand même. Oh, il a pas de chance, toi, nous, encore une fois. Hein. Il doit être deg. Pas de chance de mettre Kenies midlife. Alors, attention, il y a peut-être un joueur qui va se montrer. C'est Uzi sur métal. Uzi qui a mis une touch sur métal. Et c'est toi, nous, finalement, qui vient chercher le kill avec son AWAP. Situation de 5 contre 4. Supériorité numérique pour les Belges. Il faut la conserver et essayer, pourquoi pas, de reprendre ce middle. Ah, oh, métal qui se fait calmer par Kali qui avait rushé dans ce sas. Un bon kill de Kali hein, qui a joué offensif, qui a eu le temps. Qu'est-ce qu'il a récupéré quand même Kali? J'ai pas le temps de récupérer. Non, il a pas récupéré son AK. Par contre c'est GMX qui prend Scream. Le bon kill est fait par GMX. 4 contre 3, il reste Exit, Wanou et Shad. Allez Shad, c'est le moment de montrer ce que t'as dans le ventre. Le stuff qui est passé, Exit qui récupère un bon kill sur GMX. Apex qui pose la mollo. Il va reculer mais malheureusement. Oh! Oh, ce qu'il a mis! Il a fait tomber la bombe en plus! Oh Shad, Incroyable! oh le pauvre, il a pas de chance aussi hein. Prendre des kills comme ça c'est horrible. 9 contre 3. Kines qui s'offre en corniche. 1v2. Ouais, 2 contre 1 maintenant. Il reste Kali. On va se mettre sur Kali Alcalon. Ouais, tu Kali qui va passer maintenant au niveau de cette salade. Il sait qu'il y a un joueur au niveau de ce BP. C'est toi, nous. Toi, nous. Qui se calme, très bon Kali. décal. 9-4. Les Belges remontent et vont tenter de mettre le 9-6. Ça va être Ouais. de l'économie. Et je crois que c'est la première écho Alcalon des Français. Effectivement, première écho des Français, on a été mauvaise langue parce que la Scream n'a rien fait du round et pourtant la Belgique qui a mis le round. Hein. C'est toi nous, Exit Metal qui ont fait le travail. Shad a encore pris un truc assez incroyable quand même. Donc Ouais, là, bah Apex savait où il plantait et derrière il a mis le airshot magnifique. Effectivement, et c'est la première écho des Français. Ils ont pris quand même Deagle et CZ, hein. Donc ça montre que chimiquement c'est pas encore Oh le mais désastre. Scream Et le. Scream ouvre Kenny, mais Kenny était seul en écho. Ouais, c'est quand même une one ball, ils vont pouvoir planter la bombe maintenant. Allez Shad, il faut pas qu'il termine à 0 à kill. Je veux qu'il fasse quelques kills le pauvre. C'est ouais, c'est chiant hein, quand t'es dans l'équipe nationale et que derrière ben, c'est pas ton jour. Oh, toi nous qui fais un double kill magnifique, 4 contre 2, mais bon comme tu l'as dit, hein, c'est on va le dire un round assez logique pour les Belges, sachant que les Français étaient en économie. Ouais, pour être préparé à GMX, mais derrière, vu l'ouverture de Scream, il fallait juste confirmer. Un peu dommage de perdre une arme, mais bon, voilà, c'est le prochain round est le dernier, donc effectivement, ils pourront acheter pour le prochain, donc pas de soucis de perdre des armes. La France aura son AWAP sur Kenny, s'il prend l'AWAP par contre, il jouera sans Kevlar, et c'est par contre Kali qui peut prendre l'AWAP. Et bien, il choisit de prendre AWAP Double sans scope. Kevlar, et double scope encore une fois. J'espère que Kenny elle, va peser un peu plus dans le round qu'il a fait sur les 3 derniers rounds parce qu'il se fait à chaque fois surprendre de Bécourt. On On va va voir ce qu'il va voir. donner. Bah Il coupe écoute, pas le c'est duel. Kali qui va essayer de prendre la décale au niveau de ce middle. Ils se sont fait smoker directement. Et l'agression au niveau de cette longue pour les Belges. Et c'est Shad, enfin, qui a réussi à faire son premier kill de cette partie en Vous ouvrant Uzi au niveau de cette longue. êtes content, Chad, il a brisé la malédiction. Bah, Et GMX arrive pour récupérer le doublé. Et il a l'info sur Chad, il sait qu'il est dans la smoke, Oh belle là cover. là, c'est vraiment dommage. Belle reprise de la part des Français au niveau de ce sas pour au niveau de Magnifique. cette GA pour ne pas laisser les Belges s'emparer de cette longue. Ouais, Kenies qui n'arrive pas à prendre. Cette ligne est très dure parce que comme Kenny. Et finalement GMX GMX. quadruple kill sur ce round, GMX. Impressionnant GMX. GMX qui finit premier au scoreboard. 16-6 pour GMX, 16-6 pour Apex. 12-8 pour Kenny, 11-9 pour Kali et 9-8 pour Uzi. Et de l'autre côté, Scream et le reste du monde, hein, 18 kills pour Scream, 8 pour Toinou, 6 pour Exit, 4 pour Metal et Shad qui fait son kill, 1-13. Un kill, ouais, le pauvre. Bon, il a fait 4 assists derrière, mais c'est vrai que ça suffit pas quand t'es en équipe de Belgique comme ça. Bah voilà, hein, t'as des jours avec et des jours sans. Mais Exactement. bon, on connaît le potentiel de Chad et bon, je pense qu'il peut faire nettement mieux. Ouais, c'est pas voilà, il est pris à froid, hein, 18 h. Ils ont rarement eu le temps de se chauffer à cette heure-ci. Les joueurs non pro, hein, voilà, les Brossés Gordon, c'est pas une équipe pro comme les Epsilon ou les Titans par exemple. Donc, du coup, ils ont pas forcément le temps de s'entraîner la journée. Et ça part en GA pour l'équipe de France. Le bon kill de Scream sur Kali en corniche. Ils sont 4 en GA et Apex qui prend métal. Effectivement, c'est du 4 contre 4. Toi, nous qui va essayer de faire le kill sur Apex. Ah, ça passe pas. Apex qui était au Kevlar. Scream qui n'arrive pas non plus. Ah, si, il a réussi à poker Kenny, pardon. Bah, il a fait double kill Scream, il a pris Kali dans le mid et Kenies derrière. Uzi qui revient prendre la ligne pour check. C'est parti à 3 corniches côté belge. La chute risque de faire très très mal. Oh non, ils sont reculés quand même. Ouais, c'est Heureusement pas pour passé eux. loin. Effectivement, hein, 3 contre 3 maintenant. La reprise côté belge à venir. Toinou en fer de Oh, lance qui toi récupère nous! Apex. Super kill de Toinou. Oh, GMX. La fouine, le Oh, crossbar il des était Français. tellement bien Oh! placé!
GMX, mais quelle forme du joueur Epsilon, 11-5 pour l'équipe de France. La France aura en fin de compte pas gagné les rounds de clé en remportant les 2 GR. Ouais, les 2 GR, et bon, on les sent nettement supérieurs aux Belges, malheureusement au niveau du skill. Il y a que Scream qui pouvait s'en sortir, 21-14, le seul joueur qui est positif de son équipe. Et nettement supérieur, hein, c'est pas de 2-3 kills. Il a, voilà, oh, mais incroyable, encore une fois, Scream à son deagle, qui arrive à poker Kali. Ouais, par contre, c'est dommage qu'il revienne des Kali derrière, c'était peut-être pas nécessaire de se donner. Il reste un joueur encore niche, le kill va être récupéré par Kenyes, mais ça, il a fait le premier kill. 3v2, Apex, à fin de kill, il saute, il va les sick. 3v1, il reste au nu qui va se rusher au P90 par Kenyes. 12-5 pour l'équipe de France. Prochain round encore une fois d'économie côté belge, ce qui risque de faire le 13-5 Spock avant de commencer le premier round d'armée. Ouais, ça va être compliqué, malheureusement je pense que les Belges se sont pas mis dedans directement et on le voit au niveau du scoreboard. Les Titans voulaient absolument remporter. Enfin les Titans, pardon, les Français voulaient absolument remporter ce match et je pense que ça commence très bien, même si Scream fait un double kill au Tigle. Oh mais Scream est intenable, quel joueur Alcalon. Scream il est chaud ce soir, hein. C'est pas tous les soirs qu'il est comme ça en ce moment. Musique récupère le kill sur Scream, sauf qu'il a poké son pote Apex. Kenyes se retrouve avec la bombe au mid. Oh, il récupère Exis, super décal de Kenyes. Scream malheureusement pour les Belges est tombé, c'est du 2 contre 2. Metal a récupéré l'AK. Ça tourne côté français, mais Scream, quelle forme encore une fois, tu l'as dit, en 24 kills. Travers HS de Apex, c'est plutôt pas mal aussi. Metal en 1v2. Ouais, j'ai mis ce qui fait que dire à Adil, nice shot, bah ouais. T'es content de l'avoir dans ton équipe, je pense que j'ai mis que c'est refait. La HE qui part, Kenny qui va laisser le kill au CZ. Et ça passe pour Kenny. 13-5 pour la France, premier round à venir en armée pour les Belges. Ouais, mais si les Belges prennent ce round, c'est quasiment la balle du match. Effectivement, il n'y a pas d'AWAP de toute façon, il y a des Kevlar simples avec du stuff. Bon, de toute façon, on sait, avec la AK-47, le Kevlar casque ne sert à rien. Donc autant économiser un petit peu et privilégier le stuff. Effectivement, c'est ce qui était fait par l'équipe de Belgique qui prépare bien son stuff, qui va agresser. C'est déjà la bonne flash pour Metal. Dommage que Metal décale un petit peu tard. Oh, bien joué. Il était parfait, superbe coup de la part des Belges. Ouais, il a attendu la double flash avant de rusher Metal et ça a bien fonctionné. Ils étaient au contact, c'est du 5 contre 2 maintenant. Et peut-être le premier round à venir sur ce side pour les Belges. Ouais, très très beau stop rush. Là encore une fois, le call de Scream avec la bonne flash pour récupérer le kill sur. Ah, il a loupé GMX. Mais il l'a mis quand même très low HP. Oh, GMX qui avait une tête en Kevlar. Ouais, il a pris une tête. GMX qui va prendre le double kill sur Chad. Attention, hein, 5v2, 2v3. Il reste encore Kenyes et GMX. GMX qui va prendre l'info corniche. Oh, le peu de timing qu'il a, GMX, le joueur va arriver juste après. Ouais, mais ils sont dans le. Ouais, ils sont bien placés les Belges quand même. Ils savent que la bombe est au niveau de cette longue. Attention à Metal, il faut qu'il décale un jour ou l'autre dans ce trou. Ne pas laisser Kenyes décaler. Ouais, bien joué de la part de Toinou et de Metal. Ouais, très très beau round mené par les Belges, hein, qui depuis le début avaient fait le move en GA et qui derrière se sont bien repositionnés en crossfire. La France peut évidemment racheter, hein, juste derrière. Il y aura un AWAP sec sur Kenny, une AK sur Apex, et les autres joueurs joueront au CZ par contre. Ouais, un peu bizarre. Pourquoi? Pourquoi il y a. Bah eu... écoute, parce que Kenny va prendre. Oh! Oh, la balle qui passe juste à côté de toi, nous. Kenny, elle doit être dégoûté. Il avait mis le pré-shot parfait, enfin, quasi parfait justement. On prépare le stuff, on va partir, je pense, en 3-2-B. La smoke est posée, la flash contact, et non, c'est pas fake. Ouais, ça a faké pour essayer de laisser exister. Oh, mais ce qu'il a pris, Chad. Non, mais il se prend des trucs aussi incroyables. Ah, je pense que Chad va aller partir pleurer après ce match. Et tu vois, regarde ça, le force buy de l'équipe de France qui passe. 5-2-3, bombe plantée en B, Apex il prend la sortie de smoke, spawn CT. C'est du 1-18 Alcalon, pour Chad. Ouais, non, mais on va pas revenir dessus parce que c'est très très dur. La hache qui part, oh là là, tous les Belges sont morts, ils ont pas réussi à save leur arme. 14-6 pour la France, la Belgique va être contrainte d'économiser sur ce round. Ouais, ça va. Et voilà, quelle ouverture de Kenyes encore une fois.
Ah ouais, il a pris tellement cher, Chad, gros coup d'awap dans la tête. Et Ah bah ouais, ça. écoute, malheureusement. Et Oh là Kenny, encore là! une Et c'est fois. Chad! C'est encore Chad! Non mais il est aimanté. Ce mec est aimanté. C'est incroyable. Il a toute la malchance du monde est sur Chad sur ce match, c'est horrible. Ah, belle Double grenade shoot de encore. GMX. La revenge de métal était là. Et Kenny, avec son CZ qui fait le travail. Chad est pas chez Platinum, non, Chad est sur Bruxelles Guardians, mais là sincèrement je pense que là s'il délaide pas le game après ce match, il a tout contre lui, enfin il prend toutes les balles de Kenny, c'est un Ouais. truc de fou. Kenny, il aurait pu tirer sur le premier, mais non, non, Il a attendu il Chad. attendait Chad. C'est horrible, horrible. 1-19, oh là là, 1-19. Krim qui a fait son match quand même, 25 kills, mais derrière c'est vrai que la France a été très très forte. Bravo à l'équipe de France, hein. C'est pas encore terminé, mais en tout cas très très bon match pour Ouais, 9 l'instant. balles de match quand même, Alka. Je pense que ça va être très compliqué, surtout que les Belges sont en économie, enfin sont en force buy, on voit Oh non. 3 fois masse. Et Metal qui tombe sous les balles de Uzi maintenant. C'est du 3 contre Il 4. reste Krim. Il reste Krim qui vient nettoyer GMX. Ouais, mais Apex qui va regarde, il est récupérer pris la en corde. sandwich malheureusement, hein, Scream. Et il tombe sous les balles d'Apex. C'est du 3 contre 3v2. 2. Ouais. Ouais, effectivement. Il reste Shad. Exil. Alors attention, est-ce que Shad pour se remettre deux ce début de match, Shad face à Apex. Allez, Shad est là. 2 contre 2. Ah, Shad il est refait là. Un kill par side. Il a doublé son. Non, Non, faut c'est moche arrêter. de dire ça. Enfin, il prend la sauce le pauvre. Il peut rien, faut voir contre qui il joue aussi. Ouais, non, effectivement. Uzi, Kenny est en 2 contre 2. Ah, oh, il met Exil qui très low tombe. HP, Uzi qui a 5 HP. Il peut le Allez. faire. Allez, Shad le clutch. Shad pour le triple kill. Et Oui. ça passe pour Shad. Et Bravo. attention, est-ce qu'il a le temps? Il a Oui, le il a temps, le il a temps. le temps, il a le temps. Il a le temps. Et Shad n'empêche critiqué, mais qui vient de sauver son équipe et qui offre un round de la Ouais, PSG. triple kill est de la part de Chat sur ce round. Bah écoute, il est passé devant Exist hein. Grâce à la bombe. Voilà, ça achètera évidemment côté français. Il y a encore 8 balles de match. Et c'était quand même un beau 1v2 mis par Shad. Et double scope côté français. Ah, ils veulent essayer de finir le plus rapidement possible. Ils ont tout donné, hein, les Français, sur ce round. Il n'y a plus d'argent, 800 $ pour Kali et 400 pour Apex. Et Kenny, encore une fois, qui se loupe et qui arrive à toucher Metal. Il la laisse à 7 HP. Ouais, il a leg shot, hein. Leg shot de la part de Kenny, Oh, ça le fait. boost! Et ouais, le boost, c'est Scream qui l'a fait, mais il y a eu la revenge d'Uzi derrière dans la smoke. Alors, est-ce que c'est worth it de récupérer un joueur à 43 HP, de perdre Scream? Toi, nous, qui prend le kill sur Jamix, revenge par Kenny, Chat qui va se dire, bon, allez, j'offre le B, y'a personne. Et il y avait Kenny. Ouais. Ah là là, 3v2. c'est dommage. 3v2, supériorité numérique pour les Français maintenant. C'est peut-être ce dernier round qui va permettre aux Français de remporter ce match tant Et attendu. non, Uzi était au cut, en train de rusher la Oh, longue. bien joué de la part d'Existence. C'est du 2 contre 1 maintenant. Ouais, Uzi est parti, il a pris le kill sur la bombe, il est reparti dans le sas. Kenny va prendre la bombe un peu en fouine. Est-ce que Uzi va sick? Non. Je pense que Uzi attend Exi pour jouer le 1v2. C'est plutôt une bonne opération. Il faut pas se précipiter maintenant parce que Kenny peut faire très rapidement le 1v2. On le sait, il a le potentiel et la capacité de le faire. Regarde Kenny, Voilà. est-ce qu'il fait le premier? Et Oh, heureusement Existence. qu'Existence était là. Par Ouh. contre, il s'est molotové tout seul, Existence Oh, là. c'est pas grave. C'est pas grave, il a le kit, il n'y a pas de Il problème. attend. Ouais, et bien Existence, heureusement qu'il a sorti la petite tête miracle. Et ça fait deux rounds de suite que les Belges sont en survie sur un exploit individuel. 15-8 pour la France. La France qui va devoir économiser Spock pour le 15-9. Et si la Belgique revenait dans la rencontre à 15 partout? Ça serait beau, ça serait magnifique. On va voir si ils ont le potentiel. Il faut que Shad, voilà, il réussisse à faire quelques petits kills Ouais, pour. y a pas que Shad, hein. Y a toute l'équipe qui doit faire des kills hein, pour l'instant. Ouais, effectivement, tout à Ah fait. là, il n'y a pas que lui à remettre en question, c'est toute la Belgique qu'il faut qu'ils arrivent à conclure et monter en niveau pour aller chercher la France. Ça économise côté français, hein, on a le rappelé, CZ et un peu de stuff. Et là, c'est dommage, toi, nous, c'est pas du tout le bon move de s'avancer. Chad également avancé qui va reculer. Il récupère un bon Ouais. kill sur Kelly. Ouais, il aurait peut-être pu aussi tuer Kenny. C'est bien, il faut pas se montrer, Shad. N'avance pas, c'est pas bon. Tu peux te faire poké. Oh, bah on n'a pas vu. Bah C'est en du tout cas, 15-9. c'est apparemment la Belgique qui a mis un round avec un Ouais. double kill de Shad, kill d'Exi et de métal. Ça achète côté français, double scope, Kali, KDS.
Ouais, ça y est, ils étaient en économie. C'était peut-être pour ça aussi les Français, pour avoir le double scope. Mais c'est des AWP sèches, Alka. Il n'y a pas de Kevlar, donc ils peuvent vraiment se faire tuer très rapidement. Et malheureusement, Toinou n'a pas réussi à faire le kill sur GMX hein, au niveau de ce sas. Ouais, c'est Janik qui joue un peu avec toi, nous. Kenyas qui s'avance, qui peut être surpris par le fond BP. Il a pas du tout check de coin pute. Kenyas qui avance. Oh, Ah mais là quel là, décal sur toi, magnifique. nous. Il y a encore un joueur qui est bien placé, c'est Scream, qui est au fond BP à gauche. Ah, dommage. Il a flashé. Je pense que maintenant, les développeurs français, sans doute. Kali et Kenny ont la foule sur Janik. Sur Scream, pardon. Ouais, je pense que Scream aurait vraiment dû attendre au niveau du fond BP pour les surprendre. 3 contre Ouais. 3 maintenant. Attention, hein, les Belges n'ont pas dit leur dernier mot. 2 contre 3. La bombe est au niveau de cette GA. Apex qui va avancer maintenant. Et il reste Shad en 1v3. Shad, est-ce qu'il peut le faire? Shad, il a Ah, vu la bombe Chat tomber. prend le premier kill déjà. 1v2 maintenant, Chat face à Genix et Uzi. Que Chat peut ressortir encore une fois un clutch magique et Eh non, non, terminé. malheureusement. Eh bien L'équipe de écoutez, France s'en sort 16-9. allez les bleus. Ouais, effectivement, bon, on a eu quand même un scrim on fire, mais ça n'a pas suffi pour la Belgique. Effectivement, bah écoutez, merci à tous d'avoir été là. On vous dit bonne soirée, rendez-vous demain 19h pour le show match. Bonne soirée.